Bonjour à tous et à toutes, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis à Siem Reap, près de la cité d'Angkor, au Cambodge. Alors cette semaine va être une semaine un petit peu particulière parce qu'avec les transferts, ça n'a pas été facile de travailler sur un gros dossier santé. Et vous avez été plusieurs à me demander de faire un point eh bien, sur la santé des gens qui vivent en Asie du Sud-Est. Et du coup, j'ai profité de ce temps eh bien, pour vous livrer mon constat. Alors, ça n'a pas été évident pour moi de le faire parce que il n'est pas obligatoirement positif ce constat et c'est difficile lorsqu'on n'est pas originaire d'un pays, même d'un continent, de porter ce regard négatif eh bien, sur l'environnement et la santé des gens qui vivent ici toute l'année. Pour le moment, nous avons fait 3 pays, le Vietnam, la Thaïlande et nous commençons donc le Cambodge. Et de ces 3 pays, celui qui m'a le plus marqué pour sa pollution, eh bien, c'est le Vietnam. Le Vietnam prend quand même conscience à l'heure actuelle qu'il y a un problème et essaie de mettre des solutions en place. Alors bien sûr, nous avons résidé 3 mois à Ho Chi Minh Ville, anciennement Saigon. Il faut comprendre que là-bas, vous avez 13 millions d'habitants pour 10 millions de scooters. Quand je suis arrivée, eh bien, j'étais un peu loin de mon rêve des paysages envoûtants, de la végétation luxuriante. C'est vrai que cette vague anarchique et bruyante de scooters, de motos, était pas évidente. Après avoir échangé avec des expats français installés depuis quelques années à Saigon, ce qui m'a mis mal à l'aise aussi, c'est que je me suis vue dispenser des conseils de prévention pour notre séjour. Alors bien sûr, le fameux rituel d'éviter de boire de l'eau du robinet. Ce qui était moins agréable, c'est de se dire qu'il fallait aussi penser à porter des masques pour sortir les jours de grosse pollution atmosphérique. De plus ou moins éviter le street food à cause de la cuisson du riz dans l'eau de robinet, et cette eau est riche en arsenic et en autres produits chimiques utilisés à haute dose dans l'agriculture. Que du coup, fallait mieux acheter eh bien, des légumes en magasin bio parce qu'on en trouve à Ho Chi Minh, ou acheter du surgelé type Bonduel, comme ça on était sûr de la provenance et de la qualité. Pour le sud, fallait éviter les baignades sur certaines plages à cause des déchets industriels qui sont rejetés dans la mer. Et en fouillant, eh bien, le dernier grand scandale quand même, il datait d'avril 2016, c'est l'usine Formosa. Qui est une aciérie et qui a eu la bonne idée d'utiliser 300 tonnes de produits chimiques pour nettoyer sa canalisation d'eau usée et ne s'est pas gênée, on va dire, pour rejeter le tout dans la mer, ce qui a créé, eh bien, il y a eu des millions de poissons qui ont été empoisonnés et rejetés quand même sur plus de 200 km de plages vietnamiennes, mais aussi sur les plages des Philippines. Alors bien sûr, ma curiosité, elle a été un peu piquée au vif et il a fallu que je cherche un petit peu plus pour comprendre. Et c'est vrai que ce que j'ai lu ne m'a pas rassurée, mais bon, voilà, en tant que touriste, notre passage au Vietnam était que de courte durée. Donc c'est vrai que, comme je le dis à la fin aussi, c'est pas nous les plus touchés et qui sommes les plus en danger. Donc en final, je me suis intéressée à la qualité de l'air, de l'eau, de la nourriture et ainsi pour retentissement sur la santé bien sûr des Vietnamiens. Alors déjà, il y a un rapport périodique qui est fait sur la qualité de l'air à Hanoï, à Ho Chi Minh Ville. Et par exemple en 2017, ça montre que sur 90 jours, eh bien 78 ont été nuisibles pour la santé. Pour vous donner un autre exemple, le 15 février 2017 à Hanoï, eh bien, on a atteint 234 microgrammes de particules fines, alors que bien largement plus supérieur par rapport aux normes vietnamiennes qui est de 50 microgrammes et pour l'OMS c'est carrément 25 microgrammes. Donc voilà, hein, on est quand même soumis à une pollution assez lourde. Alors au niveau de l'eau, il y a 37 secteurs cancérigènes dans tout le pays, dont Ho Chi Minh Ville et Hanoï. Alors c'est directement induit par les substances toxiques issues de la guerre, comme l'agent orange qui se trouve encore dans les nappes phréatiques. Ça touche surtout le pays, le nord du pays, puisque les gens pompent l'eau dans les nappes phréatiques les plus hautes et n'ont pas l'argent pour forer sur des nappes phréatiques plus basses. Donc il y a encore de l'agent orange dans ces nappes phréatiques. Alors bien sûr, c'est sans compter sans les déchets industriels ni le rejet des eaux usées qui ne sont pas traitées. Alors bien sûr,
Au niveau de l'agriculture, hélas, Monsanto règne en maître. L'utilisation intensive des pesticides sur les végétaux, on ne parle pas des antibiotiques pour les animaux, et bien sûr, on sait que ça favorise le développement de cancers chez l'homme. Sans oublier non plus la forte consommation d'aliments fumés et saumurés qui aggravent les troubles de santé, en particulier les cancers digestifs. Ce qui choque aussi, mais ça c'est valable pour l'Asie hein, de façon générale, c'est l'utilisation bien sûr du plastique, que ce soit les sacs, les barquettes de street food, les emballages de produits alimentaires souvent individualisés. Alors peut-être que bien sûr l'ouverture au tourisme a aussi participé à cet engouement aussi pour le plastique pour nous être utile. Hein. Lorsqu'on regarde côté cancer, chaque année, eh bien, il y a plus de 120 000 nouveaux cas de cancer qui sont détectés au Vietnam et sachez que plus de 75 000 personnes en meurent. Les 5 cancers les plus importants chez l'homme, ça va être le cancer du poumon, du foie, du rectum et de l'estomac, mais aussi du pharynx. Et chez les femmes, on trouve le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le rectum, les poumons et quand même pour 63% des femmes, c'est la thyroïde. Alors bien sûr, il y a des choses qui se mettent en place dans le cadre de la coopération franco-vietnamienne. Par exemple, bien des médecins vietnamiens partent en France se former, hélas, eh bien, à la prise en charge du cancer et des spécialistes français viennent au Vietnam pour partager leur savoir-faire chirurgical. En discutant avec des professionnels de santé, ceux-ci m'ont expliqué que le manque de réglementation dans les différents secteurs comme l'agriculture, le traitement des déchets, la circulation, bien sûr, empoisonne la nature, la population et les générations futures. La croissance rapide du pays et le fait de rechercher de faire du profit à court terme aggravent le problème. Et le souci, c'est que les civils ont fini par faire confiance en leur système de santé et actuellement, la population tourne le dos à leur médecine traditionnelle pour plutôt se tourner vers le discours médical occidental qui paraît plus sérieux. Et donc, la médecine traditionnelle vietnamienne existe encore, mais se fait de plus en plus rare. Et j'ai envie de dire que ce fabuleux savoir, eh bien, vous le retrouvez dans un musée à Ho Chi Minh Ville, donc le musée de la médecine traditionnelle. Et ce qui est inquiétant, c'est que j'ai envie de dire, ce qui prend sa place dans un musée, c'est-à-dire qu'il n'est plus d'actualité dans le quotidien, c'est les choses rares qu'on conserve au musée, des objets anciens, d'un autre temps et d'une valeur quand même inestimable. Donc voilà, espérons que ça revienne rapidement soutenir bien la santé des Vietnamiens. Alors soyons honnêtes, les autres pays aussi ne sont pas épargnés hein, par la pollution, par la maladie, mais peut-être que ça se voit moins parce qu'on traverse des fois des villes à taille humaine ou dans la campagne et donc c'est un petit peu moins visible. Alors comme je vous disais, mon constat n'est pas obligatoirement positif et ça m'embête parce que voilà, ce sont des pays accueillants. Voilà, je me rends compte que je ne suis pas originaire de ces pays, j'ai pas vécu la guerre, j'ai pas vécu l'extermination comme il y a eu au Cambodge. Je ne suis pas d'une famille qui a subi la pauvreté. Pour comprendre les comportements qui sont entretenus malgré la nuisance pour la santé. Restons ouverts car ce sont quand même des pays avec qui vivent du tourisme et peut-être aussi à nous de faire un effort dans nos comportements, de valoriser aussi bien des contenants réutilisables. Nous par exemple on a acheté une gourde qui nous permet de remplir de les remplir à partir de bonbonnes de 20 litres et pas d'utiliser que des petites bouteilles d'eau. Donc, je pense que nous aussi on a quelque chose à faire dans ce sens-là. Voilà, j'espère que ça va répondre à vos interrogations. Malgré cela, ce sont des pays qui restent accueillants, avec une chouette culture, une architecture, de l'artisanat quand même hors du commun. Le plus grand danger, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas pour les touristes, qui sont souvent de passage de courte durée, mais ce sont vraiment pour les locaux qui vivent au quotidien et bien dans cet environnement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye !